3 heures, c'est l'apéro. Ça glisse. Ça glisse, oui. Ah, la bonne heure. Tiens, essaye les trucs salés, ça passe tout seul. Un maximum d'épices, ça donne soif. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Mon père, je pourrais jouer au foot dimanche. C'est bon? Oui, monsieur. T'as goûté la charlotte aux pommes? Oui, monsieur. T'as toujours envie d'aller tripoter la Claudine? Non, mon père. Pourquoi? Parce que je préfère la charlotte. Que le Seigneur soit avec vous. Toute ma vie, j'ai vu l'homme et la femme se déchirer. Faisons la paix, ces gens n'ont larmes. Nous vivons une époque troublée. Bah, on avorte, on divorce, on se drogue, on se réfugie dans la violence. Au lieu de ça, sous le toit d'une modeste chaumière, au sein d'une brave population qui se lève avec le soleil, que trouvons-nous? Deux hommes. Simples et bons, qu'unit la plus fraternelle des amitiés. Que demandent ces hommes? Un peu de silence. Faut-il les mettre au pilori? Mes sœurs, un peu de charité chrétienne. Juste un peu de silence. Voilà ce qu'ils ambitionnent, le recueillement, la méditation. Retrouver sous leurs pas ce qu'ils avaient oublié depuis si longtemps, la terre, la bonne terre, chaude, grasse, que Dieu a destiné à la vigne. Alors si je comprends bien, femme, enfant, foyer, tout ça terminé. Ils nous quittent pour rien, pour personne, pour la terre. Préférez-vous les savoir dans une chambre de clinique, bourrée de neuroleptiques, maigrissant à vue d'œil? Ça nous permettrait au moins d'aller leur rendre visite, d'aller les embrasser.